Tous les jours des 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires souvent chaudes. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, chaude, ce sont surtout les larmes qui coulent sur les joues des grands noms de l'histoire que vous nous racontez. Oui, Stéphane, parce que l'impression produite par les larmes au cours de l'histoire a beaucoup changé. Et pour commencer, comment expliquait-on ce phénomène autrefois? Eh bien, Hippocrate, lui, pensait que le cerveau était une sorte d'éponge qui aspirait l'humidité du corps et rejetait le trop-plein d'humidité par les yeux. Donc les larmes, c'est cette humidité en trop. Un autre médecin de l'Antiquité, Empédocle, a émis l'hypothèse que quand il faisait trop chaud, le sang bouillonnait à l'intérieur du corps, il produisait de la vapeur qui se condensait et sortait d'une part par les pores de la peau, ce qui donnait la sueur, et par les yeux, ce qui donnait les larmes. Et c'est vrai que c'est une explication crédible. Oui, ça tient. Alors les larmes auraient pu ne servir qu'à conserver nos yeux en bonne santé. Les larmes, ça sert à nettoyer l'œil, à lubrifier sa surface, à protéger la cornée. Mais non, par un curieux hasard, si nous pleurons sous le coup de l'émotion, c'est qu'une mutation génétique aléatoire s'est produite dans l'espèce humaine qui fait que le système limbique, centre fonctionnel des émotions, s'est connecté aux glandes lacrymales. Ça c'est la condition humaine. Et du coup, l'œil peut produire une tasse à café de larmes en quelques minutes. Et comme c'est beaucoup trop pour l'œil, qu'est-ce qui se passe? Le nez prend le relais et se met à couler. Donc quand vous pleurez à chaudes larmes, tout d'un coup, vous avez aussi le nez qui coule. On pense que les larmes sont produites par une hormone spécifique, une hormone dont le corps féminin est plus riche que le corps masculin. Voilà pourquoi il y a davantage de pleureuses ou de pleurnicheuses chez les femmes. Et je le disais, donc toutes les époques n'envisagent pas les larmes de la même manière. Dans l'Iliade et l'Odyssée, Homère différencie déjà les larmes glorieuses des hommes. Voilà. Quand on pleure, on est un homme, c'est de gloire. Et les pleurs de lamentation et de douleur des cœurs de femmes. Chez les Romains, même Jules César pleure. Lorsqu'il franchit le Rubicon et marche sur Rome, c'est un moment déterminant de sa vie, de sa carrière, mais ce sont des larmes de piété, d'humilité face aux dieux et à la destinée. Au Moyen-Âge, bien sûr, on larmoie, on gémit, on sanglote, les larmes sont de contrition, de repentance pour les péchés. Mais les larmes masculines peuvent également être recherchées comme signe de sainteté. On appelle ça le don des larmes. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ça quand j'ai parlé de l'inédit, ces gens qui ne se nourrissaient pas, et de Catherine de Sienne qui avait le don des larmes, donc elle boulottait rien, mais elle ravalait ses larmes et ça lui faisait un petit apport calorique, salin. Probablement, bon. Alors au siècle des Lumières, là encore les hommes pouvaient pleurer sans craindre que l'on se moque d'eux. Les larmes sont considérées comme la preuve de leur humanité. Et dans les traités rhétoriques du XVIe, on conseille aux princes de pleurer pour gagner l'adhésion de la foule. Les pleurs peuvent donc être l'occasion éventuellement une arme politique. Bon, alors, à noter, vous parliez tout à l'heure de pleurer à chaudes larmes. Il y a de très belles expressions dans la langue française autour des larmes. Être au bord des larmes, c'est beau. Fondre en larmes, éclater en sanglots, larmoyer, larmoiement, c'est beau les larmoiements. Alors, 19e siècle, virage à 180 degrés. Ouais. Désormais, un homme qui pleure est suspect. Un homme, un vrai, doit garder l'œil sec. Les larmes sont le signe le plus manifeste de la fragilité féminine. Et Maupassant décrit : si l'on ferme les églises, où donc iront pleurer les femmes ? Dans la grande encyclopédie Larousse du 20e siècle, vous la connaissez, cette grande encyclopédie magnifique, là, il est écrit : la femme doit périodiquement vider ses glandes lacrymales. Oui. Enfin, pour autant, quels sont les pleurs historiques parmi les plus connus? Ceux du roi Henri III. Le 31 mai 1578, il doit déposer la première pierre du Pont Neuf, mais le matin même, il a enterré ses deux mignons préférés, Caylus et Maugiron, qui sont morts en duel. Et Henri III est en larmes. Comme il pleut des cordes ce jour-là, ses larmes ne se voient pas trop. Mais la conjonction de son désespoir et de la météo vont donner l'idée aux Parisiens présents ce jour-là de baptiser le pont des larmes. Donc le pont neuf, avant de s'appeler Pont Neuf, s'appelait le Pont des Larmes. Enfin, grande question que vous vous posez tous les deux pour adapter votre technique de drague, bien sûr. Les larmes peuvent-elles séduire? Oui,
oui, selon Edmond Rostand, auteur de cet Alexandrin. Les plus beaux yeux pour moi sont les yeux pleins de larmes. Non, pas du tout, selon des chercheurs israéliens qui auraient réussi à établir que les larmes des femmes envoient des signaux qui découragent l'excitation sexuelle chez les hommes. Ce que Jacques Audiberti résume dans les termes suivants. Les larmes des femmes moisissent le cœur de l'homme. Je crois que c'est assez vrai, ça. Une femme qui pleurniche, ça n'attendrit pas forcément. Bon, est-ce que vous vous souvenez, vous, de quand vous avez pleuré la dernière fois, peut-être dans le quiz, non, Stéphane, par exemple? Non, non, je garde mes larmes pour des causes plus nobles et plus justes. Comme moi, j'ai pleuré pour la mort de Bernard Tapie. Non, je peux comprendre. Vous avez compris, Stéphane, oui, vous l'aviez connu, c'est vrai. Oui. Mais non, j'ai pleuré la dernière fois, oui, quand j'ai perdu, oui, ça m'a désolé sur ma propre nullité. Vous devez avoir des sacrés glandes lacrymales, parce que vous perdez quand même souvent dans le quiz. Là, il a failli. Là, il faut dire à ceux qui ne suivent pas en vidéo que Stéphane a failli pleurer. Morzi l'œil. Remobilisez-vous, non, les larmes vont couler. Je vais vous couper l'oreille, vous allez voir. À tout de suite pour le quiz.